Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis au soleil, oui, encore à La Ciotat, au Cheesecake Factory, au Fitness, ça c'est à Los Angeles, au Fitness Factory de La Ciotat. Et je vais faire un entraînement spécial avec une amie qui est venue spécialement de Nice. Devinez qui ? Notre grande athlète internationale, Elodie Mohr. Mohr. C'est plus crédible, hein, t'as vu ? Mohr. Oui, Mohr, c'est American Mohr. Yeah. Nice to meet you again. Alors, par contre, tu m'as perdu. Bon, alors, Elodie, écoute, je suis vachement contente que tu es venue nous dire bonjour à Marie-Pierre. Ce soir, il y a un grand barbecue. Ouais. Hein, on va manger du cheesecake peut-être. C'est ça, peut-être. Mais avant, on va se faire un petit training de dorsaux. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est super. Alors, Elodie, tout le monde te connaît, n'est-ce pas ? Parce que tu es une super grande athlète internationale. Est-ce que tu peux un peu te présenter, dire ce que tu fais, et en même temps tes coachings, etc. Vas-y, je t'écoute. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc Elodie Mohr, bien évidemment, c'est moi. Je fais des compétitions depuis un petit moment, voilà. Depuis combien d'années ? Depuis 2013. Et petit à petit, on a grimpé. Le palmarès, 2013, bon, j'ai commencé un petit peu donc en bikini au début, après j'ai passé en fitness et après en body. On va dire le palmarès le récent, on va dire, de ces dernières années, où j'ai gagné le body show en 2017 et en 2019. Avec cette année en 2019, quoi, l'année dernière en 2019, avec deux catégories meilleur posing aussi que j'ai gagné. Donc les deux meilleurs posings que j'ai gagnés en 2019, merci Karen Félix, un gros clin d'œil et un gros coup de cœur parce que depuis 2013 elle me suit sur mes coachings scéniques et en même temps coaching chorégraphie sur mes solos en inter et sur les meilleurs posings. Et si j'ai gagné ces deux posings, c'est grâce à Karen. Donc les athlètes qui vraiment se préparent pour des compétitions, mettez votre physique en valeur et vraiment contactez les meilleurs. Et puis là, cette année, j'ai fait en 2017, 5e à Univers Naba. Bravo. 4e à Europe. Oui. Et là, en 2019, vice-championne du monde Naba. Et 7e à Univers Naba. Voilà le dernier palmarès et on verra pour la suite des années en 2021 ce qui suit. Et je travaille dans une salle de sport où je mets des coachings aussi donc sur place à la salle où je travaille et aussi en ligne. Pour ceux qui me connaissent déjà, me suivent déjà sur mon Instagram. Des coachings pour que les compétiteurs ou bien aussi les personnes lambda pour tout le monde ? C'est pour tout le monde, pour ceux qui veulent se préparer à une compétition et pour des personnes aussi qui souhaitent se donner aussi un challenge au niveau des entraînements, au niveau de la performance, ou au niveau une remise en forme, forme également. Voilà, donc je suis assez, accessible sur pas mal de disciplines,
spécifique, remise en forme ou athlète. Et quels sont tes projets pour l'année prochaine, alors, en compétition? Normalement, j'en parle pas trop de tout ça. Bon, mais vaguement. Bon, ouais. On va se repréparer pour 2021 avec le body show. Hein, pour moi, c'est un culte, c'est écrit chaque année. Je pense que pour le body show l'année prochaine, j'invite tous les anciens, les vieux. Il faut venir là parce que je pense que c'est les 20 ans du body show. Donc, on va faire un truc. Marie-Pierre va faire un truc grandiose sur scène. Moi, d'ailleurs, je suis présente et je pense que je vais monter sur scène faire une petite démonstration pour montrer encore. Il faut venir. Que je suis au top, donc j'appelle tous les amis à venir et aussi à tous les compétiteurs de tout niveau à venir. Donc tu feras le body show. Non, je ferai le body show, certainement une ou deux compétitions pour mettre en piste et peaufiner le physique. Et après, je croise les doigts pour faire univers WFF en Thaïlande. Super ça. En Thaïlande, tu vas pouvoir manger du riz, du poulet. Voilà, comme d'habitude quoi. Voilà, ça c'est pour le 2021, après on verra. D'accord, ok. Ouais. Écoutez, je vous laisse découvrir un peu notre entraînement, montrer ce qu'on sait faire et on vous dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir les futures vidéos qui vont venir, de liker et de dire aussi ce que vous avez envie de voir. À tout de suite. 3, 2, 1, 2, 3, 1.